Dans ce second tutoriel concernant After Effects CC, nous allons voir comment débuter un projet. Donc la première fois que vous ouvrez le logiciel, si vous n'avez jamais travaillé dedans, vous allez avoir une fenêtre vide avec un projet sans titre. Tout d'abord, un petit enregistrement. Donc fichier enregistré sous ou pomme shift S. Vous allez enregistrer votre projet en lui donnant un titre. Je vais l'appeler démo 01. Et pensez bien sûr à l'enregistrer à côté des fichiers que vous avez préalablement préparés, vos fichiers vidéo, vos fichiers Illustrator, etc. etc. Donc le projet est toujours vide. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà importer des éléments. Alors pour importer des éléments, vous avez deux options. Fichier, importer des fichiers, ou simplement faire pomme I ou contrôle I sur les PC. Voilà, alors moi, dans ma démo, j'avais préparé un dossier éléments, et ces éléments, je vais les importer, donc les sélectionner et les importer. Je ne vais pas sélectionner le fichier AI, mais je vais importer les autres, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc il a importé un fichier vidéo, si je le sélectionne, je peux avoir une petite prévisualisation ici du fichier vidéo, et un fichier audio, on a ici l'illustration de la bande audio. Je vais réimporter mon fichier Illustrator, puisque c'est un fichier qui contient un logo blanc, donc il n'est pas visible ici. Mais moi, je veux qu'il soit importé sous la forme d'une composition et que After Effects conserve la taille, les tailles de calque. Ça nous servira par la suite, puisque ce logo, je vais pouvoir l'animer calque par calque. Si je lui demande de me l'importer en métrage, tout est compressé sous un même calque et je n'ai plus accès à mes calques de travail Illustrator. Donc si vous avez besoin de garder l'organisation de vos calques Illustrator, ces compositions conservaient les tailles de calques. Voilà, je vais l'ouvrir, et là il me crée directement une composition qui s'appelle Logo. Dans cette composition, on voit ici les différents calques que j'avais, un cercle, un logo et un texte logo. Alors pour l'instant, je n'ai aucun projet, je ne peux pas avoir de prévisualisation parce qu'il faut d'abord que je crée une nouvelle composition. Les compositions sont des éléments qui vous permettent ensuite d'exporter un projet. Donc c'est les compositions qui vont être exportées. Ces compositions, il suffit d'aller dans composition, nouvelle composition, et créer, donc je vais l'appeler démo 01, une nouvelle composition en choisissant les paramètres que vous voulez. Là, le paramètre choisi est déjà le bon, donc HDTV 1080 en 29,97 images par seconde. Donc on a une largeur de 1920, une hauteur de 1080 et une trentaine d'images par seconde avec des pixels carrés. C'est le format HD qu'il faut privilégier pour avoir une vidéo qui soit lisible un peu sur tous les supports. Vous pouvez bien sûr choisir la durée de votre vidéo. Ici, 15 secondes, je vais mettre 14. Et le fond d'arrière-plan, donc la couleur d'arrière-plan. Si je clique sur OK, on voit que mon arrière-plan est noir. Donc là, il est à 100%, je vais le mettre à 50. Voilà, ça c'est la taille de mon écran. Mon arrière-plan est noir, mais bien sûr, le noir ne se verra pas ensuite au rendu. Donc cette composition qui est ici, qui s'appelle Démo 1, vous voyez que si je double-clique, là j'ai mon logo, et là j'ai ma composition. Donc cette composition, bien sûr, elle commence, elle est vide au départ. Donc il faut y mettre ce qu'on doit y voir apparaître. Moi, ce que je vais y mettre, c'est ma vidéo. Donc, je la glisse simplement dedans, et on voit que ma vidéo apparaît. Si je la prévisualise, on va voir avec l'espace, on va avoir un petit rendu de ce que ça donne. Et je voudrais qu'il y ait aussi mon logo qui apparaisse. Donc je vais glisser mon logo au-dessus. Alors bien sûr, si je glisse en dessous, il n'est plus visible. Moi, ce que je veux, c'est qu'il apparaisse par-dessus. Donc voilà, le logo apparaît par-dessus. Et qui est en même temps la musique. Donc la musique, je vais la placer en dessous. Elle n'est pas visible de toute façon. Qui joue. Voilà. Donc si je fais une prévisualisation, alors la première prévisualisation est un peu lente. Là, vous voyez que la barre verte, c'est le temps de calcul. Si j'arrête ma prévisualisation et que je reviens au début, tout ce qui a été calculé, normalement, sera lisible en temps réel.
Presque. Voilà, donc là, on a une composition qui s'appelle démo 1, qui contient une autre composition qui s'appelle logo, qui contient une vidéo et qui contient du son. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment on va pouvoir transformer ces éléments, les faire bouger, changer leur position, changer leur échelle, leur opacité, pour créer une vraie animation dans ce logo et sur cette vidéo.